Alors tu le fais ce giga sommaire ? Ouais, je vais le faire ce giga sommaire parce que là on a quand même une chic émission à présenter. On parlait des expressions les plus ringardes qu'on ait connues avec Alex et qui ont fait leur temps comme on dit. Et comme on est complètement ouf dans notre teuté, je vais vous faire un sommaire de dingue ou de gueudin. Alors on aura une critique assez rapide comme d'habitude, non pas du tout sur Chantal qui sera sur DSiWare, bien sûr Money Shot. Parce que c'est mercredi, le mercredi. Non, sur Nolife, on dit la DSi, on dit pas la DSi. Ah ouais, DSiWare. En plus, tu dis DS, Ouais, après, je sais pas pourquoi j'ai dit après, ça. Après, tu dis. Je mets ça sur le compte de mon mal de tête et de ma ringardise absolument prononcée. Ok. Et bon, Tokyo Café, sinon je peux finir. Ouais, tu peux. Ouais. Oh, je serais pas coupé. Ok. Et bien entendu, les news. Quelle chic émission! Traité il y a quelques jours dans le cadre d'un reportage dans 100%, Conduite 2 refait parler de lui à travers cette nouvelle vidéo nous présentant l'aspect multijoueur du titre de High Voltage. On découvre ainsi la multitude de modes disponibles dans ce FPS, du Capture the Flag et autres deathmatch classiques, aux modes un peu plus exotiques comme le Balloon Battle, dans lequel vos frags et vos morts vous font gagner ou perdre des ballons, le joueur sans ballon se transformant en mini-bombe. On attend maintenant de pouvoir s'essayer à ces différents modes afin d'être fixé sur l'aspect fun de ce Conduite 2. C'est avec ces deux nouvelles vidéos que Crysis 2 nous rappelle qu'il s'apprête à sortir très prochainement. La première, intitulée Semper Fi, et constituée exclusivement de phases de gameplay, nous montre comment mettre hors d'état de nuire une tripotée d'ennemis et ce, à l'aide des différents équipements trouvés sur place, mais aussi grâce à votre combinaison plutôt sophistiquée. C'est d'ailleurs l'objet du second trailer, intitulé Be Invisible, qui met bien évidemment en avant le côté camouflage de cette combinaison. On espère simplement que cette fonctionnalité ne rendra pas l'aventure trop facile et que l'IA des ennemis ne sera pas à la ramasse. Pour en avoir le cœur net, on attendra la sortie de ce jeu prévu pour le 25 mars prochain sur PC, PS3 et 360. Usher in the next evolution of man. Are you willing to do the same? The greatest matchup. Et on termine ces news avec du catch et le dernier trailer du prochain WWE All-Stars. L'occasion pour les amateurs de corps huilés et de slip moulants de constater la liste plutôt longue des catcheurs disponibles dans le jeu de THQ. De Hulk Hogan à Shawn Michaels en passant par l'Undertaker, les connaisseurs devraient y trouver leur compte. Le jeu prévu pour PS3 360, Wii PSP et PS2 devrait sortir le 1er avril de cette année. It's the greatest roster of all time. WWE All-Stars, two generations, one ring. Moi, ce qui me, en ce moment, me horripile, voilà, on va dire ça comme ça, c'est les gens qui pensent savoir ce qui, comment dire, ton propre intérêt à notre place. Ah. C'est-à-dire les gens, et cette, comment dire, ce sentiment un peu focus se traduit toujours par la même expression, qui est, mais tu sais, je dis ça pour toi, moi, je m'en fous en fait. Et ça, salodon. Non, mais tu devrais la quitter, hein. Enfin, je sais pas, hein. Moi, je sais pas, je dis ça pour toi, hein. Moi, je m'en fous, hein. Et là, quand quelqu'un dit ça, tu sais qu'il est pas sincère. Oh, il peut l'être. Oui, enfin, moi, c'est plutôt du style... tu sais, je peux présenter ton émission, Alex. Hein. Enfin, moi, je dis ça pour toi, hein, c'est pour t'aider. Hein. Ah ouais. Ah ouais, il y a déjà des gens qui m'ont dit ça à ma place. Ouais, je peux présenter l'émission à ta place, hein, tu sais. C'est pour t'aider, hein, c'est pour toi. Je pense qu'ils ont raison, mais c'est pas grave. Bon, critique, la critique. Timide, hésitant, prudent... Réservé, voilà des mots qui correspondent bien au DSiWare. La plateforme de téléchargement s'est en effet bien peu distinguée jusqu'à présent sur la scène du dématérialisé.
C'était sans compter sur le talent de Way Forward, un studio à qui l'on doit les franches réussites que sont Contra 4 sur DS et Hey Boy and His Blob sur Wii. Ce développeur américain livre avec Shantae Risky's Revenge un titre ambitieux et exclusif au DSiWare. Disponible depuis le 10 février chez nous, ce jeu bénéficie d'une solide réputation outre-Atlantique. On peut aussi noter que Risky Revenge n'est pas le premier jeu à mettre en scène la jeune aventurière. Oui, Shantae est né sur Game Boy Color, mais n'est sorti que sur le territoire nord-américain. Son créateur, Matt Boson, a même commencé à développer une suite sur GBA, en prenant sur son temps libre. Le jeu n'est finalement jamais sorti, mais vous pourrez facilement glaner quelques images sur Internet. Il aura donc fallu attendre 9 ans pour voir cet inconnu se faufiler en Europe. L'histoire de Risky's Revenge débute à Sequinland, où tout est calme. Trop calme sans doute. Et ce qui devait arriver arriva. La pirate Risky Boots dérobe une lampe à huile au pouvoir gigantesque. Shantae se met en route pour stopper sa rivale de toujours. Une histoire très classique qui a le mérite d'être visuellement très explicite pour ceux qui ne maîtriseraient pas un mot d'anglais. Car qu'il s'agisse des dialogues ou des menus, Shantae est entièrement dans la langue de Churchill. Rien de pénalisant, puisque le jeu de Way Forward ne s'alourdit pas d'éléments superflus et allège son contenu. Shantae commence sur des décors paradisiaques, au bord de l'eau. Les mouettes arpentent la côte, l'air semble frais. Rien de tel pour débuter une aventure. Shantae est un jeu d'action plateforme avec un petit air de Zelda 2 et Wonder Boy où l'on alterne entre environnement hostile et village. Sauf qu'ici, pas d'épée pour arme de base. Mais celle de Shantae ne manque pas de tranchant, puisqu'elle moleste ses ennemis à l'aide de sa tignasse. Il n'y a pas foule de mouvement. Les galipettes qu'effectue Shantae se comptent en effet sur les doigts de la main de Django Reinhardt. On retrouvera entre autres le saut, un dash arrière à la Castlevania et des pas de danse. Et oui, Shantae peut danser juste pour vous, en maintenant le bouton X de votre DS. Et elle peut également se transformer en animal pour passer certaines embûches. À vrai dire, en jouant à Risky's Revenge, ces détails saugrenus passent plutôt bien. Car Way Forward a réalisé un jeu farfelu de bout en bout, bourré d'humour et littéralement haut en couleur. Techniquement, les développeurs ont mis le paquet pour un jeu DSiWare. C'est bien simple, on se croirait dans un mélange de Lomax sur PlayStation et d'Aladdin sur Mega Drive pour la qualité de l'animation et des menus références perses. Certains sprites sont gigantesques et diablement bien animés. Le level design, bien qu'il se répète, bénéficie lui aussi d'un soin particulier. Bref, on prend du plaisir en parcourant les 4 zones du jeu. A l'instar de nombreux jeux d'aventure, il existe un système très classique de téléportation via des totems à activer. Way Forward fait les choses de manière épurée, si bien que l'on progresse sans buter sur des détails tordus. Pourtant, Shantae n'est pas avare en termes de contenu. A l'instar d'un jeu d'action-aventure, il renferme de nombreuses quêtes annexes, ainsi que des parties cachées, accessibles plus tard. La progression de Risky's Revenge est donc à l'image du titre, à la fois reposante et riche. Seule ombre sous le cocotier, la jouabilité a un brin approximatif de Shantae. On reproche que l'on imputera à Nintendo, et non à Way Forward, car la croix DSi est peu précise pour ce genre de titre. C'est bien simple, pour se frayer un passage dans des petits recoins, il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant d'avancer accroupi. Les mouvements en diagonale sont peu confortables, et on regrettera la croix de notre bonne vieille DS Tank. Vient la question à 3000 euros, ou plutôt à 1200 points DSi. Car Shantae obtient la palme du jeu le plus cher sur sa plateforme de téléchargement Nintendo. Way Forward justifie avec une certaine insolence le prix, et scalpe techniquement bien des jeux 2D sortis en boîte. Shantae est une excellente surprise qui tient tête à de nombreuses productions cartouches. Risky's Revenge n'innove en rien, mais propose une aventure solide sur ses pattes, sur lesquelles la belle peut bien danser. Ce qui est bien avec cette émission, c'est que quand je vous la présente, elle devient de plus en plus vide. Et ça, j'aime beaucoup, parce que je trouve ça absolument débile. Et donc pour en revenir à ce que je disais, du coup comme ça m'horripile, j'essaie absolument de pas le faire aux autres. Je suis sûr que les parents, ils le disent tout le temps aux enfants qui nous regardent. Genre, si tu travailles pas à l'école mon chéri, enfin moi je m'en fous, je dis ça pour toi, mais t'auras pas de boulot plus tard. Un truc comme ça. C'est un peu différent, mais oui c'est vrai. C'est dans moi je l'ai entendu de la part de mes parents. Je vous déteste. Non je déconne, je vous adore. Bon, je parlerai de mon truc une autre fois. Ah oui, pardon, je suis dissipé. Money Shot. Money Shot, c'est une belle émission sur les bandes-annonces. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, les films présentés dans l'émission seront diamétralement opposés, puisque l'on parlera de l'exubérant Sucker Punch et du sobre L'Agence. Zack Snyder est un cinéaste qui intrigue.
Jamais là où on l'attend, le réalisateur ne cesse de diviser les cinéphiles. Et ce n'est pas avec son prochain film que ça risque de changer. Sucker Punch est le premier projet original mis en scène par le réalisateur de 300. Fini les adaptations de romans, de comics et autres remakes. Ce coup-ci, c'est Snyder lui-même qui en est l'auteur, et vu le pitch complètement barré, on se demande quelle substance il a bien pu prendre. Le film se déroule au milieu du siècle dernier et suit la jeune Baby Doll enfermée dans un hôpital psychiatrique par un père abusif. Très vite, elle se rendra compte que le personnel hospitalier n'est pas forcément plus sympathique que son paternel. Pour l'instant, l'histoire n'a rien de plus normal, mais ça va vite se gâter lorsque Baby Doll aura la capacité de se plonger au plus profond de son imagination, ses rêves étant sa seule échappatoire à sa vie cauchemardesque. Elle sera épaulée par d'autres jeunes filles enfermées dans l'hôpital qui tenteront le tout pour le tout afin de s'enfuir de l'institut psychiatrique. L'imaginaire de Baby Doll sera le théâtre d'affrontements surréalistes, où se mêleront SF, dragons, zeppelins nazis, steampunk, samouraïs à Gatling, robots, esthétique gothique Lolita, etc. Le film sera interprété par Emily Browning, Vanessa Hudgens, Jamie Chung, Carla Gugino et John Hamm. À la vue de cette nouvelle bande-annonce, on se demande bien quel goût aura ce globi-boulga d'influence et d'imagerie complètement hallucinante. Le long métrage pourrait très bien être un excellent film d'action girly complètement barré, mais il pourrait tout aussi bien sombrer dans la production bordélique partant dans tous les sens, avec une bouillie numérique en guise d'effets spéciaux. Bref, on ne sait pas trop quoi penser de ce Sucker Punch, en tout cas, il ne laisse pas indifférent, et ça, c'est déjà un bon point. On ne pourra se faire un avis définitif qu'à la sortie du film prévu pour le 30 mars 2011. Then they locked me away, with nowhere to hide from the pain. Your own paradise. Just let go. What you're imagining right now? You control this world. What are you looking for? A way out. I'm going to help you to be free. You will need to find 5 items. The first is a map. Then fire. Then a knife. And a key. The fifth thing is a mystery. Begin your journey. It will set you free. He knows what we're doing. If you don't stand for something, you'll fall for anything. L'Agence est un film qui ne fait pas beaucoup parler de lui, ce qui est plutôt étrange vu le cast dont il dispose et le sujet traité. Le film est une adaptation d'une nouvelle de Philip K. Dick qui raconte l'histoire d'un jeune politicien, Devin Norris, qui rencontre une danseuse étoile à New York et qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Sauf que ces deux personnes n'étaient jamais censées se rencontrer. David va alors être poursuivi par des hommes mystérieux faisant partie de l'agence. Leur but est de contrôler la destinée des gens et de rectifier le tir lorsque ceux-ci s'écartent du plan qui leur a été prévu. David fera tout pour rester auprès de la femme qu'il aime, en fuyant les membres de l'agence, quitte à tout sacrifier. Un pitch plutôt alléchant, fidèle aux obsessions de K. Dick, porté par un cast sympathique avec Matt Damon, Emily Blunt ou encore Terrence Stamp. Le réalisateur et scénariste George Nolfi, qui signe ici sa première réalisation après avoir signé le script de La Vengeance dans la peau, adopte un ton et un style réaliste, sans fioritures ni avalanche d'effets spéciaux. Parfois, ça ne peut pas faire de mal de se retrouver devant un film à l'apparence simple en ces temps où l'on use et abuse de SFX. L'Agence est donc un film intrigant, ne déchaînant certes pas les foules, mais qui pourrait créer la surprise lors de sa sortie le 23 mars 2011.
You're that guy running for Senate, aren't you? I am that guy, yeah. Are you a registered New York voter? Do I sound like I am? David! I gotta go. Sorry. How was that? I don't know. Challenge me in those shoes? What is this? We are the people who make sure things happen according to plan. We monitor the entire world. Oh. Can't outrun your fate, David. You've just seen behind a curtain that you weren't even supposed to know existed. This is your plan, and we're determined to keep it that way. You bumped into a woman this morning on the bus. Were you just staring at my legs? I was defenseless against the dress. What does that have to do with anything? Your path through the world is supposed to have been adjusted. You were never supposed to see her again. If you truly love her, just walk away. Stay with her. It not only kills your dreams, it kills hers. I don't care what you put in my way, I'm not giving up. They're making a run for it. What the hell is going on? I need you to trust me. Okay. All I have are the choices I made, and I choose her. Just remember, we tried to reason with you. Pour finir, voici le premier teaser de X-Men First Class. Celui-ci fait hurler de désespoir les fans de l'univers X-Men à cause de certains anachronismes et changements dans les personnages. Mais bon, on peut quand même rester confiant, puisque c'est l'excellent réalisateur de Kick-Ass, Matthew Vaughn, qui est aux commandes. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. The cost of freedom is always high. No one can foresee precisely what cost it will take. One path we shall never choose, and that is the path of surrender. You ready for this? Let's find out. Listen to me very carefully, my friend. Killing will not bring you peace. Peace was never an option. Ouais, donc Pili, je disais, tu vois, comme ça m'aurait pile, autant essayer de pas le faire aux autres, tu vois, parce que ce serait pas logique de faire aux autres quelque chose que t'aimes pas qu'on te fasse. Tout à fait. Et donc du coup, je passe mon temps à expliquer à des gens qui viennent me voir, tu vois, pour me parler de No Life, qui me disent, mais les Japonais, ils sont bêtes, pourquoi ils vous passent pas des clips, c'est, pour eux, ce serait bien, ils auraient plein de pubs pour leurs artistes. Ouais. Et je leur dis, mais on peut pas penser à leur place, savoir leur intérêt. Tu vois, et c'est quand même assez prétentieux de décider, c'est dans leur intérêt de passer des clips pour No Life. Et si j'arrivais avec l'attitude en disant « Non mais moi je m'en fous hein, qu'on passe vos clips sur No Life ou pas, moi c'est pour vous, hein. Je deviendrai un con. » Donc j'essaie de pas le devenir. Mais non Alex, tu ne seras pas un con.
Mais je vais te dire quelque chose. Moi, je m'en fous de ce que tu me racontes. Je préfère regarder Tokyo Café. Alors, t'es content ? いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui ? Salut tout le monde, c'est Suzuka. なんと吉祥寺の街では道路で事故が起きました。そんな事故を気にせずに、私はこんなことリポートではありません。私はなんとこのビルに用事があって参りました。このビルの中には一体何が？東京カフェ。この赤い絨毯のまるでレッドカーペットのような階段を登ってですね、私が今日皆さんに紹介したお店というのがここ。こちらです。じゃじゃじゃん。もうね、これね、お店のこのね、プラカード見ただけでどんなお店なのか皆さん分かってしまったのじゃないでしょうか。私は吉祥寺にあるメテオさんにやってまいりました。早速お店に足を踏み入れます。これかわいいよ。かわいいですね。はい。音楽、ゲーム、ミュージック、CD なんかも売ってらっしゃいます。プラグネット、ノーライフでもクリップ流れてますね。で、この間のパリでライブだった桃高さんの CD も、これがあれですね、すごいですね。任天堂のバーチャルボーイ、横井軍平さんが開発なさって、これが売れなかったために横井さんはクビになってしまいましたという、いわくつきのゲーム機でございます。3D です。3D で画面で遊べるゲーム機です。ザザザザザン、ファミコンのカセットがいっぱい並んでます。懐かしいですね。みんなが遊んだゲームもあるんでしょうか。私は実はね、ファミコンを親に買ってもらえませんでした。みんなにここでメテオの店長さんを紹介したいと思います。こちらのお店はいつからやってらっしゃるんですか？2000年の7月からで丸10年になります。なるほど。お客さんは一体どんな方が多いんでしょうか？外人なんかも来ますか？そうですね、最近は外国の方、フランスの方ももちろん来ますし、はい、あとまあ日本の方で、やっぱりファミコンで育って、子供と一緒に来たりとか、結構いろんな人が来てくれますね。はい、商品は全部坂上さんのテイストで選んでるんですか？坂上さん趣味ですかね、これは。そうです、僕の趣味ですね、完全に。あとその、お持ち込みで、うちのお店気に入ってくれた方が、よかったらこの商品を扱ってくださいっていうことで、増えたりとかもあります。断ったりする時もあるんですか、そういう時？あります。それはちょっと置けないな。ちっちゃいお店なんで全部受け入れてしまうと、やっぱテイストがちょっと変わってきちゃうんで、なるべくこういいものだけこうセレクトして紹介したいなと思ってます。これは何ですか？これカナダのアーティストで6955っていう方がいるんですけど、初年度のファミモーデにも出てもらってた人で、その人がテレビを改造して作ったオシロスコープで、店内の音楽を流すとこうビュービュービュービューって言って反応する自作の機械ですね。私はみんなに今日はメテオさんを紹介しました。お店の住所なんかここに書いてあるので、みんなもぜひ日本に来たら吉祥寺のメテオさんに GO! ふぶねっ、ゴーブブレッ。初めてのチュー、君とチュー、 I will give you all my love。 Il y a plein de gens qui rêveraient de te parler. Moi je peux le faire super souvent. Vous êtes jaloux, hein, et ça me fait bien marrer. Ouais, on y a aussi des gens qui ont envie de te parler, puis... Ouais, mais beaucoup moins. Après, ils viennent me voir, ils font « Non, mais en fait, il est gentil, en vrai. » Je suis « Bah ouais. » Bon, ça, c'est pas tout à fait vrai. Mais tu vois, une fois, parce exemple... Parce que t'essayes d'être gentil avec les gens que tu rencontres, quand même, parce que tu les respectes. Ouais, c'est ça, parce que je suis un chic type, ouais. Au fond. Tu vois. Et ouais. Et c'est parfois, tu vois, de la même manière, j'ai conversé avec une star sur Skype, et j'arrêtais pas de penser à me dire « Mais si les gens étaient à ma place, ils viendraient fous !» C'était voilà. Qui? C'était un chanteur. Justin... C'était juste Justin Bieber, voilà. Allez, je vous dis au revoir pour non pas le monde des stars, mais le monde de bisounours. Allez, on dit ça, on s'en fout. C'était une belle émission par un garde.
tu sais que les bisounours, c'est pas vraiment un monde de bisounours. Hein. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méchanceté qui s'y trame. Hein. Le docteur sans cœur et tout ça. C'est clair. Ah ouais. Mais ça, c'est comme avec les Schtroumpfs, on croit que c'est tout rose, mais pas du tout. Oui, il y a photo. Il y a photo pour le coup. Allez, on vous embrasse.